Ouais l'équipage, c'est le Shinji Kai. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va vous présenter notre nouvelle théorie. Les gars, je pense que voilà, ça vous est pas passé sous le nez. Il y a qu'une personne qui est encore vivante de Hara, c'est Robin. Donc c'est la seule à pouvoir lire les poneglyphes à part la tribu des trois yeux, s'ils éveillent leurs yeux, mais pour l'instant on n'en connaît pas. Du coup, nous, on a une petite théorie qu'on pense. Elle peut s'avérer vraie. Les gars, pour nous, il n'y a pas que Robin qui a survécu à O'Hara. Là, vous devez vous dire, mais qu'est-ce qu'il raconte? Le but de Robin, c'est que c'est la seule qui peut lire les poneglyphes, nanani, nanana. Non, les gars, il y a un gars, on n'a plus entendu parler de lui, d'un coup. D'un coup, on n'a plus entendu parler de lui. Ce mec, il portait un masque. Là, vous devez commencer à faire le tri dans les persos. Mais on va vous dire, les gars, ce mec, c'est Masquette Deus. Masquette Deus, le pote d'Ace, le premier Nakama d'Ace. Donc lui, en gros, pour ceux qui le connaissent pas, c'est le premier Nakama de Ace. Son véritable nom, il est inconnu, et ça lui a été donné par son ancien capitaine, son nouveau nom là. En gros, il porte un masque, voilà, il veut dissimuler sa véritable identité. Et en gros, lui, il a abandonné son véritable nom quand il a pris la mer. Du coup, bien que ce soit un pirate, il se considère comme un aventurier et pas un pirate. Lui, c'est un étudiant en médecine, Retenez bien, en médecine. Les gars d'Ohara, c'était des archéologues. Lui, c'est un médecin. C'est sûr que sur le bateau d'Ohara, il y a dû avoir un médecin. Et quand il... Enfin, sur le bateau des docteurs d'Ohara, il y a dû avoir un médecin, c'est logique. Il y a un médecin partout. Et quand il est parti, d'un coup, il s'est échoué sur une île tout seul et il a voulu changer de nom. Et c'est là que ça claque. Là, ça claque. Vous savez pourquoi? Parce que pourquoi il a voulu changer de nom? Tous les gars d'Ohara, ils étaient pourchassés. Lui, c'est le seul à s'être échoué sur l'île. On ne sait pas comment, ça j'avoue, ça nous échappe encore. On ne sait pas comment, mais il a dû s'échouer sur l'île. Donc, on en vient au fait que lui, c'était le médecin de bord d'Ohara. Il s'est échoué sur l'île, ce qui aurait mené les docteurs d'Ohara à aller, à rentrer sur leur île, vu qu'ils n'ont plus de médecins, c'est dangereux. Du coup, ils sont rentrés sur leur île. Après, vous savez l'incident d'Ohara. Mais lui, du coup, il est resté tout seul sur l'île. Il a dû apprendre l'incident d'Ohara. Du coup, qu'est-ce qu'il a fait? Pour cacher sa véritable identité, il a mis un masque et il s'appelle. Il a voulu changer de nom. Et ici, il lui a donné son nouveau nom, Incognito. Et lui, le truc qui est incroyable, c'est qu'il est relié à une autre théorie, la théorie de l'homme à la brûlure. L'homme à la brûlure, ça pourrait totalement être Masquette Deus. Pourquoi? Parce que depuis le temps que Ace l'a rencontré, il aurait très bien pu se faire une brûlure, je sais pas moi, pendant le combat entre Ace et Jinbe, par exemple. Il aurait pu se faire cette brûlure. Et là, c'est ça qui aurait été incroyable. C'est que Masquette Deus se soit fait la brûlure. Et du coup, voilà pourquoi Caribou, il voudrait aller voir Masquette Deus pour lui parler du poneglyphe, parce que c'est le seul avec Robin à pouvoir le lire. Et c'est pour ça que Robin, elle a fait une tête bizarre quand ils ont dit l'homme à la brûlure. Robin, on dirait qu'elle le connaissait. D'un coup, Robin et Law. Et Law, voilà, il s'y connaît bien dans le Nouveau Monde. Et Robin, pourquoi? Parce qu'il vient d'Ohara aussi. Elle doit être au courant, c'est sûr et certain. Lui, ça ferait un truc incroyable du coup. Non mais les gars, réfléchissez 2 minutes. Vous vous êtes jamais dit que Kid et Law, ils voguaient, voilà, ils prenaient les héros de poneglyphes sans savoir les lire. Donc eux, ils savent pas les lire. Ok, donc eux, ils voguent, ils veulent être les rois des pirates, mais ils savent pas lire les poneglyphes. Franchement, ça me paraît bizarre. Et surtout pour Kid. Kid, il va aller le voir, ça c'est sûr. Il va aller le voir. Et à mon avis, il y a quelque chose à faire avec lui. Voilà, c'était ça notre théorie. Dites-nous ce que vous en pensez en commentaire. Sur ce, bah, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner, partager. Abonnez-vous surtout. C'est vraiment important pour le référencement à s'abonner et liker. Sur ce, on se dit à la semaine prochaine. Ah bah du coup dimanche prochain. Salut l'équipage!